Moi, je suis vachement content que le premier entretien, là, en public, ça se déroule avec toi, Pablo. C'est la première fois qu'on se voit. Salut, hein. On s'est eu en téléphone. Je débarque. Bon, voilà. Salut à tous. Parce que je pense que vraiment, pendant l'été, je me suis fadé comment tout peut s'effondrer. À la rentrée, l'entraide. Et là, tout dernièrement, une autre fin du monde est possible. Et ce que j'avais senti dès le premier livre, c'est qu'il y avait une œuvre possible. Il y avait une œuvre qui est en construction, c'est-à-dire un truc où les thèmes, ils viennent se croiser, on les retrouve. C'est pas comme si le débat était clos après le premier bouquin. On sent très bien que c'est le même thème qui revient, qui est filé au deuxième et qui est encore filé dans une autre direction, peut-être dans le troisième bouquin. Donc, tu es un collapsologue, ça veut dire que, et un collapsosophe aussi, avec tes collègues Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle. Ça veut dire que tu étudies l'effondrement et tu essayes de penser, de philosopher l'effondrement. Moi, finalement, si ton bouquin m'a marqué cet été, c'est parce qu'il nourrissait quelque chose que j'avais déjà comme intuition, ouais. Et il venait mettre des mots sur une intuition. Mais toi, quand est-ce que ça a germé en toi? Mais c'est ça, moi c'est pareil, et c'est pareil chez beaucoup de gens, c'est une intuition, c'est quelque chose qu'on sent. Moi, j'ai senti à travers la science, comme j'étais chercheur, je suis ingénieur agronome, j'ai fait une thèse sur le comportement des fourmis, donc j'avais accès directement à toutes les publications scientifiques que je voulais, et j'étais un peu boulimique, le climat, la biodiversité, l'énergie, tout ça. Et j'adorais faire des liens entre tout ça et comprendre, et je voyais que les gens ne comprenaient pas forcément, même les journalistes scientifiques, et du coup, moi j'étais effaré, ça a affiné mon intuition, ça a augmenté ma connaissance. Et je voulais partager ces déclics, c'est passionnant ce qui est en train d'arriver, et je voulais partager avec le plus grand nombre. Mais alors, quel était le déclic? Il y a eu plein de déclics en fait. Avant, tu vois, avant 2009, c'était le climat, la biodiversité, on sentait, j'avais déjà les chiffres, c'est horrible, c'est affreux, enfin, je veux dire, j'en ai pleuré hein, de voir des études scientifiques abominables. Moi, le grand déclic, c'était le livre de Rob Hopkins sur la transition, parce que c'est le premier qui a... Tu vois, dans les médias, on invite un climatologue ou un spécialiste du pic pétrolier ou un financier, mais jamais tous ensemble. Et en fait, Rob Hopkins, il a dit pic pétrolier, donc peut-être plus accès à des énergies fossiles, donc toute notre société est à revoir, et climat instable, imprévisible et tout. Et il a mis ça ensemble. Et tu vois, quand tu as les solutions du climat, juste le climat, tu es dans le silo climat, tu te dis, bon, bah, on fait de la géo-ingénierie, on peut faire, je sais pas moi, du nucléaire, on peut faire plein de choses pour essayer de résoudre les problèmes climatiques. Et puis quand tu es dans le problème du pic pétrolier, tu te dis, bon, on n'a plus de pétrole conventionnel, on peut aller vers les hydrocarbures plus non conventionnels, gaz de schiste, hydrate de carbone, enfin tout ça. Et c'est pas compatible en fait, les solutions des uns sont pas compatibles avec les solutions des autres. Quand tu mets ensemble, tout est à revoir. Finalement, on parle d'effondrement, c'est-à-dire c'est une chute, mais le truc qui symboliserait le moment de l'époque, c'est une série de graphiques que tu mets, page 33 là, c'est finalement plutôt des courbes qui explosent vers le haut, qui symbolisent l'époque. En fait, l'effondrement est symbolisé par des courbes qui grimpent. Des courbes exponentielles. Sur la population, le PIB mondial, les investissements étrangers, la population urbaine, la consommation d'énergie primaire, la consommation de fertilisants, l'arnachement, c'est quoi l'arnachement? De rivières, l'utilisation de l'eau, la production de papier, les véhicules motorisés, les téléphones, le tourisme international. Ce que tu montres, c'est que tout ça explose de manière concomitante et que ton hypothèse, de toute façon, ça va être plutôt un postulat pour le débat qu'on a. Donc c'est pareil derrière, c'est les concentrations en CO2 qui augmentent de la même manière, en N2O, en CH4, la température de la surface, l'acidification des océans, la biogéochimie côtière, enfin à peu près toutes les courbes qui explosent de la même manière depuis les années 50. Quoi. Ouais, en fait, tu as une société thermo-industrielle hyper puissante. On fonctionne au pétrole, on extrait du pétrole et c'est une énergie dense, facilement accessible, incroyablement puissante. Du coup, on est hyper puissant. Et notre civilisation puissante qui part en exponentielle, eh ben, elle est basée, elle repose sur un système Terre, tu vois, des écosystèmes, le climat, etc. Et eux répondent de manière exponentielle, en mode catastrophique. Mais en fait, les exponentielles, ça part au ciel. Chez les mathématiciens, mais dans le monde réel, il y a toujours un plafond. Ce n'est pas une hypothèse, c'est facile à comprendre, tout le monde, tu vois. Et donc, où sont les plafonds?
C'est ça la question de notre époque. Où sont les limites, les plafonds, les exponentielles dans les mondes biologiques des systèmes complexes, dans les écosystèmes? Dès que tu as une exponentielle, à un moment, soit ça se stabilise, soit ça s'effondre. C'est tout. Il y a des boucles de rétroaction positives et négatives. Là, tout part en exponentielle. Donc, on va soit se stabiliser, mais c'est devenu difficile, soit s'effondrer. Il y a des processus de, irréversibles, des effets dominos, des effets de contagion qui font qu'on ne maîtrise plus ces dynamiques. Ça nous échappe, c'est trop grand. Et c'est ce qu'avait prédit le modèle au Club de Rome en 72. Alors, le titre de ton bouquin, c'est « Comment tout peut s'effondrer ». Mais en fait, quand on le lit, c'est « Comment tout va s'effondrer », voire « Comment tout s'effondre déjà ». Ouais, c'est ça. En fait, l'effondrement, c'est un mot un peu valise, un mot obus, pour reprendre les mots de Paul Ariès. On l'a choisi parce qu'on met les pieds dans le plat, quoi. On parle des choses cash. Le problème, c'est un peu dangereux comme mot parce qu'on a plein de chiffres catastrophiques qui nous arrivent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si je vous dis effondrement, en fait, je mets en récit ces chiffres. C'est une histoire, l'effondrement. Je vous raconte une histoire, ok? L'écueil, le risque, c'est que ça vous pourrisse la vie. Maintenant, ça devient tellement toxique priori, que ton présent. C'est la meilleure nouvelle que ton présent est. Qui nous porté cet été, ouais, quand on te dit que tu as une maladie incurable, les médecins te disent que vous allez mourir bientôt, ça te nique ton présent. Et les années qui te restent à vivre peuvent devenir toxiques. Enfin, je veux dire, c'est une nouvelle qui est toxique en elle-même. La mauvaise nouvelle est toxique en elle-même. Et tout l'enjeu de l'effondrement, c'est d'explorer ce concept, de le complexifier, de voir les nuances de gris, en fait, pour que ces nouvelles, ces catastrophes, n'aplatissent pas notre futur et qu'on ouvre encore des possibles, que ça devienne une opportunité de vraiment changer. Et c'est possible que ça ne réussisse pas. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Je ne suis pas en train d'être ni pessimiste ni optimiste, je m'en fiche. C'est vraiment de dire... On doit changer, là c'est une opportunité de changer et c'est possible que ça foire. Et en fait l'effondrement, tu disais ça a déjà commencé, il y a des effondrements passés, présents et futurs. Les effondrements des populations d'oiseaux, d'insectes, les effondrements financiers, il y en a déjà eu plein au XXe siècle. Il y a plein de types d'effondrements différents. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de petits effondrements qui ont déjà eu lieu, qui sont en train d'avoir lieu, mais on a accumulé la possibilité qu'il y ait un effondrement global à venir. Et c'est pas sûr. Et cette incertitude, elle est radicale. La science n'a pas les capacités d'être certaine que ça arrivera. Et elle n'a pas les capacités d'être certaine que ça n'arrivera pas. Et en fait, quand on y pense, c'est pas mal parce que si on avait la certitude qu'il y aurait, finalement on va s'en sortir, il n'y aurait pas de catastrophe, on ne ferait rien. Si on avait la certitude qu'en 2042, tu vois, t'as une météorite qui arrive, qui détruit tout, on ferait rien, on passerait notre vie au bistrot. C'est l'incertitude radicale qui met en mouvement. On est sur cette crête, on risque à chaque fois de tomber, on n'est pas sûr d'y arriver, et c'est ça qui permet de se mettre en mouvement. C'est ça la posture. Mais alors, à quoi ça ressemble un effondrement, du coup? Parce que vous me dites que ça va s'effondrer, mais du coup, ça serait quoi? Parce que je trouve que le premier titre du bouquin, « Comment tout peut s'effondrer », il est un peu mensonger par rapport au contenu, parce que c'est « Comment tout va s'effondrer ». Non, parce qu'on garde l'incertitude. Ouais, pas trop quand même dans le bouquin, mais bon. Et ensuite, là, je trouve que le titre est beau, « Une autre fin du monde est possible ». Mais en fait, je trouve que c'est de la même manière, le titre, il ne dit pas la réalité du bouquin. Parce que c'est pas la fin du monde. L'effondrement, c'est pas forcément la fin du monde. Oui, c'est un peu un titre, quoi. C'est les éditeurs qui... Il faut lire le bouquin. Non, c'est un joli titre, mais... Donc, toi, tu dis que ça va être l'effondrement de quoi, en fait? Ce qu'on dit, c'est qu'il y aura plein d'effondrements, et il y aura des effondrements souhaités et des effondrements qu'on voudra pas, non souhaités. Et donc, il y a une question stratégique. Qu'est-ce qu'on souhaite qui s'effondre? Qu'est-ce qu'on souhaite pas? Les oiseaux, le capitalisme? Enfin, c'est un peu binaire, mais je veux dire, il y a plein d'autres choses. Le climat, la finance. Tu vois, parce qu'en fait, si la finance s'effondre, enfin, c'est un système super inégalitaire, tout ce que tu veux. Si ça s'effondre, ça fait des effets de contagion qui font des effondrements économiques. Mais effondrement financier, c'est quand il n'y a plus rien dans les guichets automatiques. C'est l'Argentine en 2001. Si ça se propage à un effondrement économique
par les chaînes alimentaires, enfin les chaînes d'approvisionnement et tout, bah, ça fait plus rien dans les magasins. Là, c'est différent. Là, tu te poses des questions, tu vois. Est-ce qu'on souhaite ça? Et du coup, ça peut dégénérer en, tu vois, en chaos social, politique, enfin, et effondrement politique. Là, t'as un, c'est l'URSS en 89, tu as un retour des mafias, t'as, enfin, c'est vraiment effondrement, si on va plus loin, effondrement social, c'est la Libye, c'est Mad Max, quoi. Tu as des 4x4 avec des Kalachnikovs dans le désert. Bah, là, tu vois, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. C'est ouais, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on souhaite pas. Et là, il y a des questions d'alliance stratégique. Le problème, et c'est ça, c'est que tout est interconnecté. Tu souhaites la, l'effondrement du capitalisme, mais s'il s'effondre, il y aura d'autres conséquences, il y aura d'autres choses qui vont s'effondrer parce que tout est lié, tu vois. Donc c'est super compliqué. Je trouve qu'il y a quand même une ambiguïté parce que si tu dis qu'il y a, un, il y a l'effondrement, ça veut dire que ce n'est pas un effondrement parmi d'autres. Tu nous parles du, de l'effondrement avec un E majuscule. Et derrière, tu, poses, tu vois, le titre, c'est sur la fin du monde. En gros, ça peut, c'est soit il y a une partie de l'espèce humaine qui continue à survivre quand même, dans, comme dans un certain nombre de scénarios de science-fiction, mais on ne peut pas dire que ça va être un scénario, un effondrement parmi tant d'autres, comme il y en a déjà eu dans le passé. Enfin, sinon, ouais. Tu ne fais pas trois bouquins dessus et il n'y a pas une science qui s'appelle la collapsologie, quoi. Bah, la nouveauté, en fait, c'est qu'avec la puissance des énergies fossiles, il faut juste un ordre de grandeur, un plein d'essence. J'avais souvent ça, c'est Rob Hopkins qui le dit. Un plein d'essence 40 litres, brûlé, ça développe des joules de l'énergie. C'est l'équivalent de 4 ans de travail humain. Donc une personne moyenne qui travaille 4 ans moyennement, elle développe, elle produit autant de joules qu'un plein d'essence. 4 ans. Un baril, c'est 12 années et demie de travail. On brûle, on a notre record la semaine dernière, là, 100 millions de barils par jour. L'humanité, enfin une partie de l'humanité en tout cas. 100 millions de barils par jour fois 12 années et demie de travail. Tu vois la puissance extraordinaire des énergies fossiles. Donc c'est le grand effondrement. Mais, qu'est-ce, ouais. qu'est-ce... mais là pour l'instant, on a, avec cette puissance, on a créé, on a tout interconnecté, la mondialisation, dans des chaînes rapides, en flux tendu, sans stock. On a augmenté l'efficacité du système, on a rendu tout homogène. Et du coup, on a perdu en résilience. Ça, c'est la théorie des réseaux. Les physiciens nous montrent très bien que quand un système connecté est de plus en plus efficient, il est de moins en moins résilient, c'est-à-dire qu'il est vulnérable. Et du coup, on est hyper fragile. On est, paradoxalement, notre société est tellement puissante qu'elle en est devenue vulnérable. Colosse au pied d'argile, comme l'URSS, c'est ça un peu. Ouais, c'est ça. Et comme tous les colosses, en fait. Et du coup, on a la nouveauté, c'est qu'on a comment dire, la mondialisation a créé le risque systémique global. C'est une expression de scientifique. Le risque systémique global, c'est nouveau. Et ces effets de contagion que je disais tout à l'heure fait que ça peut, les effondrements peuvent se répandre partout dans le monde et très rapidement, et plus rapidement qu'on le croit. C'est comme si on avait chaque crise, chaque problème, vous avez le climat, l'énergie, etc., on est dans une pièce et il y a du gaz qui est injecté par chaque crise. Et on ne sait pas d'où viendra l'étincelle. Mais on sait qu'il y a beaucoup de gaz. Et ça peut venir d'une crise financière qui déclenche tout. Ça peut venir d'un, je sais pas moi, catastrophe naturelle, etc., etc. Et on sait pas, on peut pas savoir d'où viendra l'étincelle, mais on est en train de savoir que le gaz est accumulé, qu'il y a beaucoup de gaz. Alors, moi, je trouve que l'originalité de votre travail, c'est pas forcément de savoir qu'il va y avoir un effondrement. Vous n'êtes pas des Nostradamus. C'est même pas de savoir comment ça va se passer, à quoi ça va ressembler, mais c'est plutôt comment on vit avec. J'ai l'impression, et même depuis le premier bouquin finalement, même dans le premier bouquin, la partie qui est la plus intéressante, c'est la troisième partie, pour moi, et c'est la partie où vous dites, bon bah qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc il y avait un titre de Desproges, c'était « Vivons heureux en attendant la mort ». Nous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend l'effondrement? Je veux dire, ça incline, normalement ça incline à une certaine passivité. Le fait d'avoir une telle mauvaise nouvelle comme ça en face de soi, dont on a déjà les effets aujourd'hui, parce qu'on peut en parler au futur, mais c'est vrai que moi je suis parti en vacances avec mes 30% d'oiseaux en moins en 30 ans et mes 80% d'insectes en moins sur les 30 dernières années aussi. Bon, quand on se dit finalement la chute elle est déjà là et la disparition d'un certain nombre d'espèces, c'est déjà au présent. Donc quand on vit avec ça, qu'est-ce qu'on en fait?
Je trouve que c'est ça qui est l'originalité de votre boulot. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se désespère ou bien à l'inverse, finalement, on se dit, bon bah punaise, puisque c'est foutu, autant qu'on en profite, même on se dit, il vaudrait mieux s'aveugler, pourquoi tu nous emmerdes à faire des bouquins qui nous décrivent ce qui se passe, si de toute façon, on a quand même peu de prise pour changer tout ça. Et donc, bah, si jamais ça va s'effondrer, autant qu'on le sache pas et puis qu'on continue à vivre tranquillement, quoi. Faut-il désespérer Billancourt? Mais en fait, quand tu te prends tous ces chiffres dans la figure, quand tu commences à savoir et à y croire, il y a différentes réactions que j'ai vécues, mais que j'ai observées chez le public. Du coup, dans mes années d'éducation populaire, j'ai vraiment fréquenté plein de publics différents. J'ai commencé par Asté à Liège, en Belgique, un public assez... populaire. En fait, à Liège, c'est une ville vraiment ouvrière et il y a un tissu associatif très riche et vraiment, j'étais au contact de ça. Après, j'ai fréquenté le milieu universitaire, même des hauts fonctionnaires, les milieux anarchistes, voilà, un peu tout. Et à chaque fois, il y a les mêmes choses. Il y a ceux qui désespèrent, ceux qui ont peur, ceux qui sont en colère contre ce système, contre le capitalisme, contre ce que tu veux. Et puis ceux qui sont dans la joie, parce qu'ils sont, on va aller de l'avant, etc. Il y a de tout. Et en fait, ça ressemble à tu vois, aux phases du deuil. Quand tu as une perte, d'abord, tu es dans le déni, tu ne veux pas savoir. Non, ne me parle pas de ça, je veux que des bonnes nouvelles. Après, tu commences à croire, à marchander. Non, mais peut-être qu'il n'est pas mort, peut-être que ça peut s'effondrer à moitié, peut-être on peut préserver quand même un peu d'oiseaux, etc. Et puis après, désespoir, colère, et puis il y a l'acceptation. L'acceptation, ce n'est pas un stade miraculeux où on ne voit plus les problèmes. C'est où tu vois, tu as le courage de voir les choses en face, d'accueillir les émotions et d'aller de l'avant. Et ça ne veut pas dire que c'est bisounours et que tout va bien se passer. Ça veut dire que tu peux être aligné et vraiment te mettre en action. Et du coup, tu as toutes les postures. Je veux dire, le survivalisme, cette caricature qu'on fait souvent de s'enterrer chez soi, faire des stocks, c'est tout à fait logique. Je veux dire, manger, boire, protéger sa famille, enfin tout le monde a un survivaliste en lui, c'est normal. Et on a aussi tous une sorte de transitionneur en nous, on se dit mais on est tous dans le même bateau, on s'en sortira tous ensemble, il faut, tout seul, moi je suis rien, est-ce que je continue à être un humain si je suis le seul survivant sur Terre? Donc on a tous un transitionneur et un survivaliste en nous. Et puis, tu as les gens qui sont plus dans le désespoir, voire le nihilisme, qui sont là, ouais, bien fait, ce système dégueulasse, bien fait que ça pète, vivement que ça pète. Nous, on appelle ça les savapétistes. Et il y en a plein, et on a tous aussi un savapétisme. Moi, j'ai eu cette phase. Enfin, je veux dire, on peut que avoir de la colère quand tu vois les bulldozers qui détruisent les ZAD, qui détruisent les forêts et tout ça. Et puis, tu as la tristesse, le désespoir qui se décline plutôt en aquabonisme. À quoi bon, bah, on finit notre vie au bistrot, etc. Donc, il y a de tout, il y a des phases. On a des phases du survivalisme. Et puis, à un moment, tu es survivaliste, tu te rends compte que tout seul, tu peux rien. Donc, tu vas vers les autres. J'ai connu plein de survivalistes qui trouvaient, en fait, c'est quoi tous ces stocks de nourriture? Bah, je vais aller faire une communauté, m'inscrire au conseil municipal, rendre ma ville résiliente, etc. Et il y a une phase de... Voilà, en fait, c'est le passage. C'est assez intéressant ce qu'on décrit dans le nouveau livre. De la dépendance à l'indépendance. On est dépendant complètement, comme une poupée avec des fils d'un système thermo-industriel, économique et financier. Il nous nourrit. Moi, franchement, sans carte de crédit, sans bagnole, je ne sais pas bouffer, je meurs en 3 semaines. T'en suis là, hein, franchement. Mais qui peut encore survivre sans bagnole, sans carte de crédit tout. Il y en a, hein, mais pas beaucoup. Du coup, on est comme des fils comme ça. La transition, c'est quoi? C'est couper ces fils avant que tout le système nous emporte, tu vois. Tu ne peux pas les couper seul. Si tu les coupes tout seul, tu meurs. Donc, tu dois forcément retrouver le collectif pour avoir la puissance de faire des AMAP, de faire à manger ensemble, de retrouver du local, de retrouver une puissance d'agir qui te permet de couper le fil ensemble. Je ne sais pas, moi, Paris en transition, machin, Amiens en transition, etc. Et tu célèbres la coupure d'un fil. Donc, tu passes de la dépendance à l'indépendance. Tu vois, ça, c'est tu passes de l'enfance, dépendance, à l'indépendance, l'adolescence. Tu commences à t'épanouir du foyer, à sortir et à trouver une puissance. Ça ne suffit pas.
L'adolescent, c'est celui qui n'a pas de limite, qui ne voit pas la mort, qui ne veut pas avoir la mort et les souffrances, il est dans l'infini. Et je trouve qu'on est dans une société adolescente, patho-adolescente, parce qu'on ne veut pas avoir la mort, on ne veut pas avoir les limites, on est dans le toujours plus, tu vois, le transhumanisme, c'est l'apogée, l'apex de la patho-adolescence, quoi. Les riches, des jeunes riches dans la Silicon Valley qui jouent à qui détruira la mort en premier. Enfin, c'est absolument ridicule. Et en fait, le passage, il y a un passage intéressant, c'est de la dépendance, de l'indépendance, de l'adolescence, encore plus loin, d'aller vers l'interdépendance. Ça, c'est le passage à l'âge adulte. Tu te rends compte que nous sommes interdépendants, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin des oiseaux, des escargots, des forêts, des rivières. On est tous interdépendants dans un tissu du vivant, mais c'est une interdépendance radicale. Et ça, ça amène déjà la conscience de la mort, des limites, des souffrances. C'est ça l'acceptation dont je te parlais. C'est le passage à l'âge adulte. Et je trouve que c'est intéressant. Ça apporte l'humilité, la conscience de la vulnérabilité. C'est l'humilité. C'est arriver avec une autre posture de conquérant, de destructeur, etc. Et ça apporte l'authenticité, des liens. On peut vraiment arriver vers l'interdépendance, c'est-à-dire les sociétés, refaire des communautés, en fait. C'est-à-dire, l'être humain, ça fait des centaines de milliers d'années qu'il vit en communauté. Il sait très bien gérer les pénuries, il sait très bien gérer les milieux difficiles. Il a vécu des glaciations, etc. Et comme on dit dans l'entraide, c'est les plus coopératifs qui survivront. Il y a un déclic à faire, là. Moi, le bouquin que j'ai préféré, c'est l'entraide. Donc là, il y a tout. Mais en fait, ça apparaît déjà, le thème apparaît déjà à la fin de tout, comment tout peut s'effondrer, pour moi. C'est-à-dire, montrer que. Il y a deux choses qui m'intéressent, qui m'ont intéressé. D'abord, c'est de remplacer la logique de concurrence permanente par dire que finalement, ce qui peut être le plus efficace, c'est l'entraide, la coopération. Ça, c'est. Et le deuxième truc, c'est. L'importance de l'imaginaire, de se dire que finalement, on avance dans la vie, on avance en politique, on avance en société, pas seulement avec la réalité, mais aussi avec les modèles qu'on porte dans nos têtes. Comment tu as commencé à bosser sur ce thème-là, en fait ? L'entraide, ça me passionne depuis des années. En fait, depuis que je suis ado, je voulais être chercheur et m'intéresser à la socialité chez les animaux. Je trouve ça fou qu'il y ait des sociétés animales. Voilà, les fourmis, les termites, les guêpes, les rats, etc. Ils font des sociétés, mais c'est fou. En fait, j'osais pas affronter les humains parce que c'est très complexe. Du coup, j'ai été me former à un vieux zoologue comme ça qui m'a pris sous son aile et j'ai été initié aux fourmis. Du coup, j'ai fait ma thèse sur les fourmis. C'est passionnant. Et j'allais aux colloques mondiaux sur les insectes sociaux. Il y avait tous les grands spécialistes des insectes sociaux. Moi, j'accumulais les données, je trouvais ça passionnant. Et à un moment, j'étais voir chez les végétaux, les bactéries, les champignons, etc. J'ai retrouvé les mêmes principes. C'est quoi le principe ? Attends, je te les décris, il y en a plein. On va y arriver, c'est excellent. Ça fait des déclics dans l'imaginaire, justement. Et en fait, à un moment, j'ai osé aller voir les humains. Tu vois, mais c'est énorme, hein, il y a des milliers d'articles et de livres. Tu vois, la sociologie, les sciences politiques, l'anthropologie, les sciences cognitives. Et toutes ces sciences cloisonnées, bossées sur des hypothèses un peu... Et à un moment... Récemment, depuis quelques années, il y a tellement de découvertes magnifiques qui permettent d'avoir une vision cohérente de l'entraide. Ce qu'on a appelé l'entraide, en fait, c'est toutes les manières qu'ont les êtres vivants, humains compris, de s'associer. Une sorte de force d'attraction versus force de répulsion. C'est quoi ? C'est l'agression, la compétition. Et tout ça existe dans la nature. Donc moi, je voulais étudier ce qui attire, quoi. Et il y en a plein, mutualisme, altruisme, coopération, la biologie, on a plein. Et moi, ce qui m'a motivé, en fait, c'est... je suis content d'en parler ici, parce que ça va peut-être te parler, enfin vous parler. C'est Kropotkine, Pierre Kropotkine. On est ici, près de Place de la République, rue Amelot, il y a la librairie de la Fédération anarchiste. Moi, j'y allais tout le temps quand je venais à Paris. Et Kropotkine, c'était un géographe russe, anarchiste. Et moi, j'ai été dans cette éducation politique anarchiste. C'était mon héros, c'est mon héros, Kropotkine. Et il rejoint le côté scientifique. C'était un grand scientifique qui a étudié l'entraide. Il a adoré Darwin.
enfin, adoré, il a beaucoup aimé les principes de la sélection naturelle et il est allé voir en Sibérie comment les animaux, les plantes, comment se passait la sélection naturelle. Et en même temps, c'était un des philosophes, des théoriciens de l'anarchisme. Et en fait, ce qu'il a découvert en Sibérie, c'est que les animaux qui survivent, ce n'est pas les plus forts, c'est ceux qui s'entraident le plus. Ceux qui font les groupes les plus coopératifs, ils survivent au milieu difficile, au milieu hostile. Darwin, il avait fait ses observations dans les milieux tropicaux où il y a l'abondance. En fait, il y a plein d'espèces, du coup, il y a des problèmes de territoire. Et il a plus observé de la compétition parce qu'il y a, voilà, il y a plus de compétition, mais il a aussi observé de la coopération, Darwin. On l'a un peu déformé par la suite, bref. Et du coup, Kropotkin, il est revenu, il a dit, mais il a écrit un magnifique bouquin là, en 1902 qui s'appelle « L'entraide ». En fait, Mutual Aid en anglais, ça a été traduit en français par son pote Élisée Reclus, géographe et anarchiste aussi. Et on l'a connu. Ouais, et franc-maçon. Et qui a dit, qui a traduit par entraide et il a offert le mot à la langue française. Et en fait, il a fait une synthèse scientifique incroyable, quoi, de tout, même les humains. Et en fait, l'entraide est spontanée chez la. Enfin, c'est un principe du vivant, quoi, de l'évolution biologique. Et il en a déduit un des piliers de la théorie anarchiste, c'est-à-dire l'entraide, l'auto-organisation. Et il en venait, sa conclusion, c'était qu'il fallait détruire l'État, parce que l'État avait bousillé tous les liens d'entraide du Moyen-Âge, les guildes, les communautés, etc., et avait pris le monopole de l'entraide, de la violence, etc. Et du coup, il fallait détruire l'État pour refaire émerger l'entraide chez les humains. Bon, ça, c'est la théorie anarchiste, qui est intéressante par ailleurs. Hein. Faut pas la balayer d'un revers de main. Et moi, ça m'a passionné, et c'est cette convergence entre ma vie scientifique et ma vie militante, par Kropotkin, m'a fait dire, hein, moi, je veux actualiser l'entraide. Un siècle après, la science a découvert tellement de choses sur l'entraide, c'est passionnant. Et avec Gauthier Chapelle, un autre biologiste, un ami avec qui j'ai écrit ce livre, on a eu des déclics. On s'est dit, mais waouh, il faut absolument dire ça aux gens. C'est un truc qu'on devrait apprendre en maternelle, tu vois, tellement c'est génial, c'est évident. En ce moment, il y a plein de bouquins sur les arbres et les forêts qui s'entraident par les racines. Vous savez, les arbres, en fait, sont connectés par des champignons, les mycorhizes. Donc, il y a une entraide déjà entre plantes et champignons. Les champignons, ils permettent d'aller prendre plus d'eau et nutriments. Ils l'apportent à l'arbre. Et l'arbre qui fait de la photosynthèse, il capte l'énergie du soleil, ce que ne sait pas faire le champignon. Et bien, l'arbre, il fournit des sucres aux champignons, de l'énergie, symbiose. Symbiose géniale qui a permis d'interconnecter tous les arbres. Et donc, une entraide, l'entraide appelle l'entraide, c'est un des grands principes aussi. Et l'entraide est un facteur d'innovation dans le vivant, dans l'évolution du vivant. Et ce qui est génial, c'est que dans la forêt, tous les arbres sont interconnectés par ce qu'appelle l'auteur allemand qui a du succès, là, Peter Wohlleben. Il appelle ça le Wood Wide Web. Et en fait, tu as les grands arbres qui ont déjà leur vie derrière eux, ils ont accès au soleil, et tu as les jeunes pousses qui galèrent, qui sont à l'ombre et tout, et ben les grands arbres transmettent des sucres aux jeunes arbres. C'est les allocations familiales, tu vois. Et ce qui est génial, c'est qu'ils se transfèrent des sucres, des minéraux, entre espèces. C'est fou. Tu vois, tu as un sapin qui transfère des sucres à un bouleau qui est malade et qui galère à l'ombre. Et ben il transfère des sucres. Tu as la sécurité sociale en plus, des millions d'années avant nous. Et ça fait un grand déclic dans l'imaginaire, parce que la forêt, on s'imagine, les biologistes, on a eu des cours, ils nous racontent que c'est, on joue des coudes, chaque arbre joue des coudes, c'est la compétition généralisée, c'est l'arène, on est tous des gladiateurs, la nature, c'est la lutte de tous contre tous, et qu'on joue des coudes pour l'accès à la lumière. En fait, non, il y a plein d'entraide, il y a de la compétition et il y a de l'entraide. Et il y a plein d'entraide. Ce n'est pas juste un petit fait divers, l'entraide. C'est un principe du vivant massif. Tous les êtres vivants, tous les individus, toutes les espèces, depuis leur naissance, depuis 3,8 milliards d'années qu'il y a la vie qui existe, il y a l'entraide. Et c'est un moteur de l'évolution du vivant. Waouh ! On a fait... Mais ça change, tu vois ? Ça veut dire quoi ? Le déclic, c'est que... Merde, ce qu'on nous a appris à l'école, la biologie, moi j'ai fait des années de biologie, c'est partiel, c'est peut-être idéologique, tu vois. Darwin, il a été connu, il a fait une super théorie, hein, c'est magnifique. Je vous invite vraiment à lire Darwin, c'est vraiment délicieux, d'un point de vue littérature et scientifique. C'est d'une finesse, d'une sensibilité. Et puis il a été interprété dans l'Angleterre victorienne par des philosophes, le début du capitalisme, qui cherchaient
une justification biologique à la compétition généralisée, hop, Darwin, et ils l'ont déformé. Et on voit que c'est ça que j'adore, c'est l'intrication entre la science et l'idéologie. Chaque science est le produit d'une époque. Et moi, j'adore les scientifiques qui sont conscients de ça. Les grands scientifiques, moi, j'ai des héros. Hein, et j'ai remarqué, c'est tous ceux qui sont conscients de leur époque, qui ont une culture politique, sociale, forte, et qui sont conscients que chaque théorie influence l'idéologie et chaque idéologie influence les théories scientifiques. Et aujourd'hui, ça, c'est ce que je dis, c'est une synthèse scientifique, mais ça a une puissance idéologique. Et je le dis, je l'assume, ça fait des déclics dans l'imaginaire et ça provoque un effet « waouh », mais un effet de « on n'est pas tout seul, on est conscient de l'interdépendance radicale de tous les êtres ». Je donne des outils conceptuels pour commencer à s'organiser, à développer l'entraide dans les groupes et en fait à contrer une idéologie de la compétition généralisée qui devient tellement prégnante, tellement hégémonique que ça en devient toxique pour les humains, pour les sociétés, pour la biosphère. Toxique au point de s'effondrer. Donc pour moi, ces découvertes scientifiques sont aussi des récits, des manières de raconter le monde qui nous mettent en mouvement. C'est encore une fois la question des récits et qui nous font changer d'horizon. Voilà. Et je ne parle même pas d'espoir, hein, c'est juste que ça met en mouvement. Quoi. Donc il y a un aveuglement, il y a une espèce d'hémiplégie. Ouais. La relecture, moi j'ai trouvé les pages sur la relecture de l'œuvre de Darwin vraiment formidable. Parce que c'est vrai que Darwin est connu sur la sélection par la compétition. J'ai une citation là. Darwin, hein, il ne fait aucun doute que les tribus qui possèdent de nombreux membres qui sont toujours prêts à aider les autres et à se sacrifier pour le bien commun sortiraient victorieuses des autres tribus. Et cela serait de la sélection naturelle. Donc c'est la sélection naturelle là, non pas par la compétition, mais par la coopération. Et donc c'est vrai que c'est comme s'il y avait une espèce d'aveuglement, d'hémiplégie, en ne voyant que la compétition, à la fois dans l'œuvre d'Darwin, mais qui est le reflet de ce qu'on a voulu voir seulement dans la nature et ce qu'on a voulu voir seulement aussi chez l'humain. Il y a une espèce ton bouquin, c'est une invitation à relire l'œuvre de Darwin, par exemple, de manière non hémiplégique, mais aussi à relire l'histoire du vivant en remettant le deuxième principe et aussi l'histoire des hommes. Et de notre culture, de notre idéologie libérale au sens philosophique, depuis 400 ans, on est dans une... De revoir les mythes. Les mythes, c'est l'inconscient collectif. Qu'est-ce qui fonde nos sociétés? Tu vois, le fait que... Alors ça, c'est la thèse de Jean-Claude Michéa, le philosophe, que je trouve assez pertinente. Les philosophes Hobbes, tous les fondateurs du libéralisme philosophique, Smith, Hume et tout ça, ils étaient traumatisés par les guerres de religion au Moyen-Âge. Et ils se sont dit quel système politique on peut mettre en place le plus neutre possible. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de religion, surtout pas. Vraiment, le minimum syndical, si je puis dire, c'est l'économie, le marché. Juste, on est tous égoïstes. Ils étaient déçus de la nature humaine. Je veux dire, 120 ans de guerre... C'est horrible, quoi. Tu sors de là, t'as plus confiance en la nature humaine. La religion, c'est ce qui relie. Enfin, il y a relié à l'intérieur, donc il fallait plus rien qui relie, c'est ça. Non, mais il fallait plus entendre parler de religion, parce que ça fait massacrer les gens, en tout cas à l'époque. Et alors, ils se disent, bon, le minimum syndical, c'est le marché. Comme on est tous des êtres égoïstes et que la nature est mauvaise, parce que c'est la croyance après les guerres de religion, la nature, c'est une arène impitoyable où on se massacre tous. Un, il faut le marché, c'est le principe d'organisation minimale, pour qu'on s'entende, entre égoïstes. Deux, le marché tout seul, ça ne marche pas, il faut un État fort pour contrôler le marché. Seul l'État est capable de nous sortir de notre état de barbarie, de sauvage, de la nature. C'est le génie, la puissance des Lumières, l'organisation sociale de l'État, qui nous fait sortir de ça et qui contrôle le marché. T'as quoi là? T'as la main gauche et la main droite du libéralisme. La main droite, c'est on met des prix à tout et on fait contrôler par le marché, régulé par le marché. La main gauche, c'est on met des droits à tout et on fait contrôler par l'État. Ça, c'est le libéralisme. C'est notre inconscient collectif
qui est les deux mains, gauche et droite, sont basées sur la croyance que la nature est mauvaise. Et là, on remet tout en question. Tu vois ? Est-ce qu'on a Kropotkin, il disait ça. Est-ce qu'on a besoin de l'État, vraiment ? Parce que spontanément, tu as beaucoup, beaucoup de comportements d'entraide, coopératifs. Les chasseurs-cueilleurs, ils n'avaient pas d'État. Ils étaient extrêmement coopératifs. Bon. Et le marché, évidemment, bon, j'en passe. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a une... ça permet, c'est ça qui est génial, d'aller revoir notre mythologie, nos récits, les idéologies, etc. Et ça apporte un vent de fraîcheur, en fait. Alors, mais c'est vrai que ça m'a fait du bien dans une assemblée où je l'ai dit au printemps, mais ne serait-ce que dans le nouveau pacte ferroviaire, il y avait 85 fois le mot concurrence, et où dans le fait, dans à peu près toutes les lois qui sont proposées dans l'assemblée, elles sont proposées au nom de la concurrence. Compétitivité. De la compétitivité, voilà, et c'est ça qui va nous amener vers le progrès et le bien-être universel, quoi. Ou même si c'est pas universel, tant pis. Mais donc c'est vrai que l'espèce de contrepoint à l'imaginaire que tu ouvres, alors là tu en as parlé pour la nature, mais en quoi ce que tu vois dans la nature de part de coopération, tu le retrouves potentiellement chez l'homme ? Pas potentiellement, on le retrouve. En fait, il y a plusieurs déclics. Tout à l'heure, on parlait des déclics. Je vais venir aux humains. C'est un gros chapitre, hein, les humains. Je ne sais pas si on aura le temps. Moi, je réussis si on a le temps. On a jusqu'à quelle heure ? Vas-y, vas-y. Attends. Le premier, bon, on l'a un peu dit, hein, c'est le premier déclic qui est génial, un principe du vivant, c'est les plus coopératifs survivent. Ce n'est pas les plus forts qui survivent, pas forcément en tout cas. C'est les plus coopératifs. Bam, gros déclic. Le deuxième déclic, c'est que l'entraide est partout. Et qu'il y a plein de manières de s'entraider. C'est ce qu'on a appelé la symbiodiversité. Ça, c'est fou, c'est passionnant. Troisième déclic, et c'est très contre-intuitif, c'est les milieux, l'entraide émerge en temps de pénurie et dans les milieux hostiles. Dans le monde vivant, quand tu as un milieu hostile, celui qui se la joue égoïste, il meurt en premier. Sont sélectionnés les plus coopératifs. C'est fou, parce que nous, on pense que quand la pénurie va arriver, bah, on va tous se foutre sur la gueule pour un pot de Nutella, etc. Et donc, alors c'est en partie vrai. Pourquoi ? Parce que nous sommes une espèce, les humains, qui sommes partis dans nos histoires. Je reprends Harari, Yuval Harari, le livre Sapiens. Il raconte l'histoire de l'humanité, ça a eu un succès fou. Au début, il dit qu'il y a moins 70 000 ans, on est parti dans notre tête. On est parti dans nos mythes, dans la révolution cognitive, et on croit aux histoires qu'on se raconte. Et voilà, dans l'évolution culturelle, l'idée scientifique, qui est parallèle à l'évolution biologique. Et c'est même intriqué. Donc nous, on a la couche culturelle. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. Hein. Il y a les orques, il y a plein de... les singes, il y a plein d'espèces qui ont la culture. On n'est pas les seuls. Mais on a une grosse couche culturelle et on y croit à mort. Donc ça joue. Et en fait, en milieu d'abondance... Quand on est très riche, on peut se permettre d'être individualiste, égoïste. Pourquoi ? Parce que, voilà, on a tous, on consomme beaucoup de pétrole. Vous savez, il y a les calculs de Jean-Marc Jurkovici, l'ingénieur, là, qui disent on a tous en moyenne, les Européens moyens, 500 esclaves énergétiques. On est tous des pharaons. 500 esclaves, 500 esclaves, 500 esclaves, 500 esclaves. Voilà. On est très, très nombreux dans cette salle, en fait. On multiplie par fois 500 le nombre de personnes. Pourquoi ? Parce qu'on consomme beaucoup de pétrole pour nous nourrir, nous déplacer, nous instruire, etc., nous chauffer. Et c'est l'équivalent en joules d'esclaves énergétiques. On est hyper riche. Et on peut se permettre de dire à notre voisin, bah, « J'ai pas besoin de toi. J'ai des esclaves énergétiques, je m'en fous. Je peux manger sans toi. » En milieu d'abondance, une idéologie, une culture de l'égoïsme peut émerger. Et c'est ce qu'on a fait depuis des décennies. Et on a bien poussé à fond. Mais en milieu de pénurie, et l'être humain, il sait gérer les pénuries depuis des centaines de milliers d'années, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'arriver dans les pénuries avec la culture de l'égoïsme, brutalement. Là, ça fait l'effet Nutella dans les supermarchés, ça fait des pillages, etc. Là, c'est dangereux. Donc notre pari, c'est de donner des outils pour anticiper les tempêtes, les pénuries, et pour développer dès maintenant une culture de l'altruisme, en tout cas remettre le curseur un peu au milieu, d'apprendre à marcher sur nos deux jambes. C'est comme le yin et le yang, tu vois, compétition, coopération. Et de redevenir compétent en entraide, en altruisme. Il ne faut pas compter sur l'intuition ou le bon sens, ça ne suffit pas. Il faut être compétent. Il y a des principes,
Il y a des méthodes pour faire émerger l'entraide et l'altruisme dans un groupe. Maintenant, on a ce savoir. On peut faire des business schools, des prix Nobel entièrement dédiés à l'altruisme, ça serait bien. Et là, ça rééquilibrerait un peu les choses. Et on pourrait parler d'un vrai projet de société. En tout cas, je ne sais pas où on irait, mais on marcherait un peu plus droit, quoi. Mais ton bouquin m'a fait écho à un autre bouquin, bon, qui est l'un des socles de ce que je fais. C'est le bouquin de Richard Wilkinson, ouais, et Kate Pickett sur pourquoi l'égalité est meilleure pour tous. Et notamment, à l'intérieur de son bouquin, il raconte comment, finalement, la santé en Grande-Bretagne a le plus progressé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le moment où l'espérance de vie a été a fait un saut vers l'avant, notamment grâce au rationnement qui a permis de nourrir mieux les plus pauvres. Donc c'est vrai que à la limite c'est un facteur d'espoir à la fois ça cette expérience là et puis ce que tu racontes, on se dit bah finalement s'il y a pénurie, ça peut nous amener vers un mieux. Ou pas. Oui. Possiblement. Ouais, non, mais il y a un espoir dans le sens où c'est possible. En fait, les catastrophes, c'est des moments de remise en question de tout et où l'être humain, là je reviens à l'humain, hein, c'est le gros chapitre, mais on a en nous, on est câblé pour ça, cognitivement et avec les hormones et tout. On a un potentiel de socialité, de pro-socialité absolument incroyable. On est une des espèces les plus sociales du monde vivant. Et c'est normal, parce que quand, à la naissance, on est un petit primate imberbe, complètement handicapé, on est bouffé par le premier prédateur. Si on n'a pas maman, papa, oncle, tante, grand-père, si on n'a pas le clan, si on n'est pas... On est directement dans l'empathie, on est hyper bon en empathie, en sympathie, etc. Même le nouveau-né, hein, je veux dire. Tu décris un paradoxe qui est que finalement, c'est notre fragilité, notamment à la naissance, qui nous a rendu ultra social, ultra puissant. Et fort, ouais. Et pour boucler le paradoxe, c'est notre ultra puissance qui nous rend maintenant vulnérables. C'est beau quand même. Ouais. Non, mais c'est vraiment ça. On est hyper vulnérable. On est un animal complètement ridicule, tu vois. On est dans la forêt, on s'en sort pas. Sauf qu'on a le clan, la communauté, la socialité. On est câblé pour ça. Il y a des expériences incroyables, déjà dans les témoignages des rescapés des catastrophes. Il y a Jacques Lecomte, le psychologue, qui a bien étudié ça dans son bouquin « La bonté humaine » et raconte que ouragans, tsunamis, attaques terroristes, etc., à chaque fois, plus on va à l'épicentre de la catastrophe, plus il y a des comportements d'altruisme, d'auto-organisation, de calme, etc. Complètement à l'opposé de notre mythologie hollywoodienne, film de zombies, néolibéral et tout. Et puis, il y a des économistes qui ont fait ça en temps normal, pas en catastrophe, tu vois. Ils ont mis des gens ensemble, un cercle, ils leur ont donné, je sais pas, 10 ou 20 euros chacun, et ils ont fait jouer à des jeux économiques, genre un jeu du bien commun, participer à un bien commun, un pot commun, et tu testes le caractère égoïste ou coopératif des gens. Et en fait, globalement, la moitié des gens dans toutes les cultures sont plus coopératifs déjà que le modèle Homo economicus, qui est un modèle théorique qui n'existe pas. Hein. L'Homo economicus n'existe pas. C'est celui de Hobbes, de Smith et de Hume, c'est ça ou Homo economicus, l'homme rationnel, égoïste. L'homme n'est pas rationnel et il n'est pas égoïste. Point barre. Ça n'existe pas, ça tout le monde le sait, il y a plein d'études depuis des années, on s'en fout. Bref, et donc tu mets des gens ensemble, ils ne se connaissent pas, alors il y a un peu de méfiance, tu vois, tu leur donnes 10 euros. Et les scientifiques disent, participez au bien commun, vous pouvez donner un peu d'argent et vous allez en retirer beaucoup. Si tout le monde mise, bah vous en retirez beaucoup, voilà, vous serez gagnant. Alors on fait, ouais, c'est cool. En général, les gens donnent la moitié. Tu vois, s'ils reçoivent 20, ils donnent 10 euros. À l'aveugle. À l'aveugle, ils ne connaissent personne, ils aiment bien le bien commun, ils aiment bien participer au groupe, mais ils sont un peu méfiants. Si tu maintiens ça, tu fais plusieurs tours de jeu. La participation au bien commun, la pro-socialité s'effondre. Parce qu'à un moment, tu as un gars, il va dire, ou une fille, hein, je veux dire, elle va mettre 1 euro. Et puis il y en a un qui va rien mettre. Il va dire, ouais, moi je mets rien, mais je vais retirer des bénéfices du bien commun. Bon, je mets rien, je serai plus riche. Puis le bien commun, ça me revient, donc je m'en fous. Et puis tu en as un autre qui le voit. Il fait, lui, il n'a pas participé. Ah bah moi non plus. Et l'autre, lui, il ne participe pas. Ah bah moi non plus. Et rap, ça s'effondre. Tu vois. Et en fait, quand les scientifiques,
Donc ils ont fait plein d'expériences là-dessus. Hein. C'est un jeu, ça s'appelle le jeu des biens communs. J'ai trouvé ce passage vachement éclairant parce que quand tu te balades en milieu popu, vachement souvent, tu as le truc sur les assistés, les profiteurs du système et tout ça. Et en fait, ça fait vachement écho. Enfin, tu vois, ça fait vachement écho, je trouve, à ce passage-là, qui est, en gros, quand il y en a un qui se met à ne plus participer comme les autres, et bien en fait, ça décourage. Il y a une espèce de découragement de tout le monde alentour. Donc, il y a une exigence d'une espèce d'égalité. Et enfin, voilà, ça faisait écho à plein de discussions que j'avais dans les bistrots, quoi. Ah ouais, mais il y a des études incroyables où ils ont donné à des étudiants certains peu d'argent et d'autres plein d'argent. Ils ont créé des riches et des pauvres. Ils ont fait jouer les jeux économiques. Et les étudiants qui devenaient riches devenaient égoïstes, antisociaux, tu vois ? Alors qu'ils n'avaient pas cette culture. Et les pauvres, en général, hein, ils ont plus une culture de l'entraide, de la prosocialité, de la générosité et tout. C'est des études incroyables. Sauf qu'ils sont découragés quand ils voient qu'il y en a qui ne jouent pas le jeu. Et surtout quand les riches et les élites, ils voient qu'ils ne participent pas, alors ils n'ont plus envie de participer. Et c'est pour ça que l'exemple des élites égoïstes est particulièrement éclairant. Il décourage tout le monde, toute la chaîne, voilà. Bref, et donc je reviens à mon jeu du bien commun. Les scientifiques, à un moment, ils ont forcé les gens à répondre vite. Ils avaient 20 euros. Allez, vite, 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 intuition. Et les gens ont été plus prosociaux. Ils ont plus participé au bien commun quand on les force, quand ils sont stressés. Et inversement, ils ont dit « Réfléchissez, calmez-vous, vous avez le temps de répondre. » Et les gens étaient plus égoïstes, plus antisociaux. Donc c'est la raison qui serait égoïste contre le gros déclic, l'intuition. Ouais. Alors qu'on dit le postulat, la mythologie libérale, c'est que naturellement, on est égoïste et que c'est la raison, l'État, enfin voilà, le savoir, les lumières qui rend altruiste. Tu as un gros déclic, il y a quelque chose qui s'effondre dans notre représentation du monde. Après, c'est plus complexe, hein, je n'ai pas le temps de développer, mais il y a des trucs géniaux, par exemple, quand l'entraide s'effondre dans un groupe, comment on fait pour maintenir le niveau de participation au bien commun ? Déjà, il y a des études en sciences cognitives qui montrent, ils ont regardé dans le cerveau des participants, quand ils payent leurs impôts, quand ils participent au bien commun, il y a des zones du plaisir qui s'enclenche à certaines conditions que le bien commun ou les impôts soient bien utilisés de manière juste. Si ça devient injuste, il y a des zones du dégoût qui s'enclenchent et on ne veut plus participer, etc. Et puis à un moment, pour les scientifiques, ils ont dit « Bon, maintenant, les amis, l'entraide s'effondre, on va mettre une nouvelle règle, vous avez le droit de punir un égoïste. » Et vous pouvez payer 10 euros, ou je ne sais pas combien d'euros, pour punir quelqu'un. Eh bien, les gens, ils payent pour punir les égoïstes. Hop, les niveaux d'entraide remontent à 100%. 80, 90, 100%. Quand tu mets les règles, les normes sociales, et tu peux récompenser punir les égoïstes et récompenser les altruistes, ces deux fondements de la réciprocité de l'entraide humaine depuis la nuit des temps dans les sociétés humaines. Quand tu as une médaille, parce que tu as fait un acte d'altruisme en temps de guerre, tu as une médaille, Légion d'honneur, machin. Quand tu donnes à des œuvres caritatives, bah, tu as des réductions d'impôts. Tout ça, c'est récompenser les altruistes et punir les égoïstes. C'est l'efficacité de la sanction. C'est très efficace. Et y a d'autres mécanismes de stabilisation d'entraide, par exemple la réputation. Les gens commencent à se connaître. Tiens, lui, il participe. Ah, mais lui, c'est un égoïste, je ne vais pas participer avec lui. Et donc, les gens, ils vont maintenir leur niveau de réputation, ils vont participer pour avoir une bonne réputation et être bien vus. La réputation, c'est-à-dire les ragots, les cancans, c'est un patrimoine mondial de l'humanité. C'est le ciment, un des ciments de la socialité humaine. La réputation, c'est hyper puissant. Et c'est génial parce qu'il y a la réputation chez les autres espèces, chez des singes, on a trouvé même chez les poissons, il y a des phénomènes de réputation. Et c'est-à-dire comment on voit qu'ils... Mais ils coopèrent plus parce qu'il y en a d'autres qui regardent. Mais il y a des expériences folles. Hein. Tu mets des humains, hein, je ne parle pas des poissons. Tu mets des humains ensemble et tu mets un poster avec deux yeux, genre Big Brother 1984. Les gens coopèrent plus parce qu'ils se sentent observés. Tu vois les religions. Dieu est partout, il te surveille tout. Hop, niveau prosocial. Les religions... reliés, c'est des normes sociales
qui provoque aussi, qui favorise la cohésion d'un groupe. Et les religions les plus pro-sociales, dans le temps de l'évolution, c'est celles qui durent le plus. Et en fait, ça provoque la cohésion des groupes et la survie des groupes dans le temps. C'est une des manières de faire des groupes. Et donc, tu mets des yeux, même quelque chose qui ressemble à des yeux. Tu vois, les open space, c'est ça. Hein. Tu mets, t'as une entreprise, tu abats les murs, tout le monde s'observe. Hop, les gens bossent. Parce que mais c'est hyper vicieux. Hein. Enfin, je veux dire. C'est le panoptique. C'est les sciences cognitives au service de la productivité. Enfin, il y a des découvertes absolument géniales en sciences cognitives. Enfin, c'est fou. Qui disait, l'éthique, c'est ce que fait un homme quand on ne le regarde pas. Mais bon. mais il y a un autre truc, c'est sur la membrane, sur le fait que pour que ça fonctionne, il faut que le groupe il soit clairement déterminé, on sache qui est dedans et qui est dehors, en gros. Et comment on rentre à l'intérieur et comment on en sort. Ouais, ça, c'est une grosse question. Là, je suis pas en train de... L'entraide, c'est pas une question de bisounours. Vraiment, on peut s'entraider pour massacrer son voisin, c'est clair. On peut faire des groupes cohésifs pour aller faire la guerre, hein, voilà. Une des meilleures manières de faire coopérer un groupe, c'est de créer un ennemi commun, un grand méchant loup. Il y a 50 ans, c'était les Allemands. Il y en a d'autres. Enfin, Bush, il a créé des ennemis, voilà, la guerre contre le terrorisme, etc. Bref. Il y a plein de manières de fabriquer des ennemis et de souder les gens. Donc la question plus fondamentale, c'est qu'est-ce qu'un groupe ? Quand je dis on peut faire coopérer un groupe, là on parlait de 10 personnes qui font des expériences économiques, on peut parler d'un pays. En fait, on appartient à plein de membranes. Il y a la famille, il y a le club de foot, il y a le pays, la région, peut-être la ville, Amiens, j'en sais pas, moi, le syndicat, l'université, moi c'est mon groupe, enfin voilà, il y a... Et donc on a toute des poupées russes de membranes. Il y a l'Europe, il y a des gens pour qui c'est très important la membrane européenne. Et la membrane européenne a été très mal faite. En fait, c'est la membrane, c'est la métaphore de la cellule, une cellule vivante. Donc elle a une membrane lipidique qui fait passer les nutriments. Il y a des organites dedans. La membrane, c'est quoi ? C'est quelque chose qui délimite l'extérieur et l'intérieur. Ça, c'est pas de la cellule, ça, c'est de la cellule. C'est très important dans un groupe. Vous créez un syndic d'immeubles, une association de philatélie, n'importe quoi. Où vous avez un règlement d'ordre intérieur, vous avez des règles. C'est ça, la membrane. Et il faut un gardien des règles. Et quand on se sent bien avec ces règles, la membrane est bien faite, on se sent bien dans le groupe, on s'ouvre. Et les individus qui étaient méfiants, ils étaient en compétition, ils rentrent dans une membrane, ils se sentent bien, ils enlèvent leur picot de méfiance, de compétition, d'agressivité. Ils peuvent se sentir bien en confiance, faire partie d'un groupe et développer leur authenticité, s'ouvrir. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand tu t'ouvres à des relations de réciprocité, d'entraide, tu le fais pour le bien du groupe et le groupe s'en trouve renforcé. C'est pour ça que les groupes coopératifs sont plus forts que tous les autres. La phrase qui résume un peu, enfin, que tu cites deux fois dans le bouquin, ouais. Donc c'est Wilson et Wilson. Deux évolutionnistes. Wilson. Bon. Au sein d'un groupe, l'égoïsme supplante l'altruisme et les groupes altruistes supplantent les groupes égoïstes. Tout le reste n'est que commentaire. Donc ça veut dire que l'égoïsme ou la compétition, elle a sa place, notamment dans la concurrence entre les individus dans un groupe. Ouais, là, c'est un peu, c'est passionnant, mais c'est un peu plus délicat. Je vais prendre 2-3 minutes pour expliquer. C'est un des résultats des sciences de l'évolution. Tout à l'heure, je disais, l'entraide peut s'effondrer dans un groupe parce que les égoïstes prennent le dessus. Dans un groupe, quand tu as des égoïstes qui font chacun pour soi, ils deviennent plus forts. Au niveau évolutif, ils ont plus de succès évolutif, peut-être de descendance. Et en fait, ils vont gagner sur les altruistes, sur ceux qui se sacrifient pour les autres, etc. D'un point de vue individuel, on retombe sur le darwinisme classique. L'égoïsme gagne d'un point de vue évolutif. Ça, c'est ce que la biologie nous apprend depuis des décennies, un siècle et demi, et c'est toujours juste. Seulement, la nouvelle sociobiologie ou les nouvelles découvertes en évolution nous montrent que ce n'est pas si simple que ça. Et Darwin avait déjà cette intuition, mais les nouvelles découvertes sortent et confirment cette intuition. C'est-à-dire,
prenez l'exemple, c'est-à-dire que les groupes peuvent être forts, en fait. Je reviendrai là-dessus, mais prenez la fourmi. Une fourmi ou une abeille. Une abeille, c'est des sociétés animales. Elle défend son nid, elle vous pique. Et en piquant, elle laisse le dard, elle meurt. L'individu meurt pour défendre le groupe. Darwin, il se gratte la tête, il fait « C'est pas possible, ça. Pourquoi ? Comment l'altruisme a pu être sélectionné ? Parce que l'individu se sacrifie, il meurt, il n'a pas de descendance. Et pourtant, depuis 3,8 milliards d'années, ça a été quand même sélectionné. L'altruisme est présent dans la nature et tout. Merde. Alors, il s'est dit, en fait, c'est peut-être les groupes qui sont sélectionnés par l'évolution. La ruche, la colonie, pas l'individu, la colonie, elle est plus forte que les autres. Et donc, c'est ce qu'on a appelé la sélection de groupe. Et ça a été maintenant assez bien démontré. C'est-à-dire que dans l'évolution, tu as deux forces contradictoires. Dans les groupes, les égoïsmes peuvent gagner, les égoïstes. Mais finalement, en gagnant, les égoïstes, ils détruisent le groupe. Ils délitent le groupe, ils font s'effondrer la cohésion du groupe. Du coup, le groupe va être faible et les groupes coopératifs vont gagner. Donc, tu as une force de sélection individuelle qui favorise l'égoïsme et tu as une sélection de groupe qui favorise l'altruisme. Et c'est pour ça que dans le vivant, il y a toujours tout l'éventail de l'égoïsme à l'altruisme, parce que ça dépend du milieu. Tout est changeant, tout est dynamique. Et si tu es dans des milieux de pénurie ou hostile, tu favoriseras la coopération. Si tu es dans des milieux d'abondance, tu favoriseras l'égoïsme. Et il y a toujours, et c'est ça le moteur de la diversité de la vie et de l'évolution. Et c'est pour ça qu'il y a toujours de plus en plus de biodiversité, parce que tu as des forces contradictoires. Et chez les humains, c'est pareil. Tu vois, tu as la puissance du groupe et tu as quand même des facteurs égoïstes. Enfin, je veux dire, on a de l'égoïsme, on a de la compétition, il ne faut pas le nier. Ça fait partie des forces du vivant et des forces de l'être humain et de la culture humaine. Seulement, la culture, c'est quelque chose qui peut faire bouger le curseur. Et là, on a fait bouger beaucoup trop du côté de la compétition et c'en est devenu toxique. Alors, voilà. Comment tu fais le lien entre l'effondrement et cette entraide ? Quelles sont les passerelles que tu fais entre les deux ? Ben, la passerelle, elle est simple. C'est une question qu'on nous pose souvent. C'est, bon, là, vous voyez un effondrement économique, financier, politique. On va tous s'entretuer ou pas ? Même moi, je me pose la question et je n'ai pas la réponse. Seulement, dans l'entraide, on ne parle pas dans un film de zombies où on va tous s'entretuer. On dit oui et non. Ça dépend des conditions et on donne les outils pour faire en sorte qu'on ne s'entretue pas. La clé, c'est que... la posture survivaliste, caricaturale, c'est de dire, bon, ça va être un film de zombies dans quelques années, je vais m'acheter un flingue, et c'est de voir si l'ordre social disparaît, de considérer, parce que je suis dans une mythologie libérale, que le voisin, tous les voisins, tous les gens sont des ennemis potentiels qui vont venir me voler ma nourriture. OK ? Donc je vais m'armer par anticipation. Et en fait, il y a une prophétie autoréalisatrice qui fait que si tout le monde s'arme, à un moment, moi, je vois une arme là, oula, lui, il n'est pas cool, donc je vais m'armer, etc. Et donc, on monte par anticipation le niveau de violence, alors que la violence n'est même pas encore là. Parce que idéologie, mythologie. Et l'entraide, en fait, ça désamorce un peu tout ça. Et on se dit qu'on peut développer une culture de l'entraide, de l'altruisme pour préparer, pour tamponner les tempêtes à venir et les pénuries, quoi. Et donc, ce qu'on a désamorcé, c'est que nous avons une grande capacité d'entraide et l'altruisme, et nous pouvons designer, concevoir des institutions, des normes sociales qui favorisent l'émergence spontanée de nos comportements altruistes et prosociaux. C'est ça, toute l'art de la politique, c'est de concevoir des institutions qui favorisent ça. Et on a potentiellement ces capacités prosociales. En cas de catastrophe, ça va émerger, mais ça peut après s'effondrer. Donc il faut vite mettre en place des pratiques, une culture, une expérience de cette entraide pour les temps qui viennent. Et donc, la leçon, c'est que ce n'est pas la nature humaine qui est mauvaise. Genre, quand on va arriver dans l'effondrement, les gens disent « Ouais, on va tous s'entretuer, c'est la nature humaine. » Non, c'est la culture néolibérale, la moderne, qui va faire qu'on va peu s'entretuer. Mais
potentiellement, on peut sortir de ça et on a des gros leviers et ça peut aller très vite. Potentiellement. C'est pas gagné, mais on a ouvert une brèche, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire, alors ? Faire des interviews, faire des écrire des bouquins. Bah, y a plein de choses à faire, mais ça dépend de l'échelle, en fait. Tu vois, au niveau individuel, tu peux faire des choses. Au niveau municipal et gouvernemental, l'Europe, tout ça, chacun a ses affinités. Donc déjà, tu as tous les niveaux d'échelle. Moi, je crois pas trop aux grandes échelles, mais c'est ma sensibilité. Donc il y a toutes les sensibilités. Et après, tu peux faire au niveau scientifique, au niveau intellectuel, au niveau artistique, au niveau... Enfin, refaire une culture, c'est à tous les niveaux, quoi. Après, je suis un peu désamorcé, un peu perdu avec cette question. On me la pose souvent, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que quand on est face à un problème, la seule question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense qu'il faut d'abord réfléchir, mais c'est ma manière de voir les choses. Déjà, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui préfèrent agir avant de réfléchir et qui comprennent en agissant, et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Il y a des gens qui d'abord réfléchissent, puis agissent, et d'autres qui agissent, puis réfléchissent. Mais ouais, on est dans une culture de l'action. Et ce qu'on dit dans le bouquin, c'est très masculin, ça. C'est l'archétype masculin, action, action, action. Nous, on propose un peu d'introspection, la voix intérieure, plus, dirais-je, féminine, dans l'archétype. Ce n'est pas les femmes, hein, c'est le féminin, l'intériorité. Ce n'est pas du tout usuel dans les milieux politiques et scientifiques d'aller voir en nous qui on veut être. Comment est-ce qu'on va vivre ces effondrements, enfin, quel est notre rapport au monde et ça pose des questions qui dépassent le cadre scientifique. Moi, j'ai abordé toutes ces questions par la science, parce que c'est ma passion et j'adore transmettre ça. Mais en fait, ce n'est pas assez. La collapsologie, logos, la science, la raison, ça ne suffit pas. Il faut aborder des questions émotionnelles, de l'imagination. Moi, j'adore la science-fiction et on a besoin de science-fiction. Enfin, je pourrais développer après. Mais on a besoin d'éthique, on a besoin de spiritualité. Quel est notre rapport au monde, au non-humain, à ce qui nous dépasse, au sacré. Qui on veut être, qui est-ce que je veux être quand je dirai à mes petits-enfants, voilà qui je suis, papy, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Tu vois, tout ça, c'est des questions que la science, elle n'a pas de réponse. Qu'est-ce que le bien ou le mal, le bon ou le mauvais, la science, elle n'a pas de réponse. Donc, il faut dépasser ça, c'est ce qu'on appelait la collapsosophie. Et donc, moi, je suis un peu perdu dans le qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est une question qui rend fou. Je veux dire, ça rend fou, l'effondrement, quand tu te mets à y penser. Et le pire, c'est quand tu te mets à ne pas y penser, tu fais ça, tu deviens fou aussi. Et donc, moi, je crois qu'on a besoin de se poser. Tu vois, c'est l'an 01, GB. Mmh. On arrête tout, on réfléchit. Et c'est pas triste, mais c'est exactement ça. Je pense que si on se met à agir, 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 ouais, effondrement, vite, politique de l'effondrement. Si on n'a pas changé profondément, on va faire les mêmes conneries à grande échelle. Et c'est délicat. Je suis d'accord que la question politique, c'est la plus importante. Ouais, mais c'est vrai que c'est le problème que je vois dans le troisième bouquin. C'est que c'est un bouquin méditatif qui invite au retour sur soi. À une remise en cause de ses habitudes et tout ça. Mais à un moment, tu as comme une élimination du politique. Et en particulier, d'un truc qui me tient à cœur, c'est quand même la lutte des classes. C'est-à-dire qu'on a une oligarchie qui, pour reprendre une image qui est récurrente dans les livres, qui est au volant de la bagnole, qui fonce dans le mur avec le pied sur l'accélérateur. Pas de mur. Ouais. On est sorti de la route. Bon, d'accord. Mais qui a le pied sur l'accélérateur et on lui laisse... Enfin, c'est pas en faisant seulement un retour sur soi qu'on va lui choper le volant des mains, appuyer sur le frein et tourner dans une autre direction. Tout à fait d'accord. Non, mais je suis absolument d'accord. Enfin, moi, c'est ma culture politique aussi. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce tome 2, c'est le préalable à un éventuel tome 3 ou à une suite, si les collapsologues sont motivés, ils écriront la suite. C'est la question suivante, c'est la plus importante, c'est la politique de l'effondrement. Tout à l'heure, tu parlais de rationnement. Je pense que c'est un des piliers d'une politique d'effondrement. Le rationnement, c'est limiter les ultra-riches et donner le minimum aux pauvres. Ça crée un sentiment d'équité dans un contexte de limite, de limitation. C'est extrêmement bénéfique
en tant que sentiment pour les individus d'un groupe. Et nous, on a un mauvais souvenir en France de la guerre. Ça a laissé des mauvais souvenirs, le rationnement. Mais en Angleterre, comme disait Wilkinson, ils ont des très bons souvenirs de ça. Il y a eu un sentiment incroyable de cohésion sociale grâce au rationnement. Moi, je pense que c'est une voie à creuser. Et c'est pas du tout la mode et pas du tout le trip néolibéral. Enfin, voilà. C'est comme le protectionnisme. Hein. Tu connais bien le truc. C'est pas à la mode. Donc, on a un combat idéologique, politique à mener. Là, c'est les préalables. Ce que je dis, c'est que si on va direct dans le politique et si on n'a pas fait ce chemin intérieur, je pense qu'on va faire des grosses conneries. Je risque d'en faire alors. C'est possible. Peut-être pas, ça dépend. Je ne connais pas ton chemin intérieur. Mais en tout cas, c'est une invitation à... Mais je suis conscient qu'il faut aller vers la politique. Alors, une autre chose importante, c'est que on peut croire, et je pense que notre ambiance, notre monde, société, nous fait croire que le spirituel, c'est quelque chose d'individuel. Pas du tout. Ce qu'on dit dans ce livre, c'est pas un retour à l'individuel, et surtout pas, parce que si tu traites la question du désespoir, du deuil, de manière individuelle, t'es mort, quoi. Je veux dire, personne n'a jamais fait un deuil tout seul. Faire un deuil, c'est partager sa souffrance, sa peine, et depuis la nuit des temps, c'est ce qui maintient la cohésion des communautés humaines. C'est le partage de ces souffrances, de ces peines, de ces deuils. C'est ça qui fait les rituels et la cohésion sociale. Et c'est plutôt une invitation à retourner au collectif grâce à la voie intérieure, le partage des émotions, enfin voilà, la question spirituelle, la question de l'imagination, le récit commun. Je ne suis absolument pas dans la voie individuelle. Ce n'est pas une dépolitisation. Et c'est même mieux. C'est que grâce à ça, je pourrais en parler des heures, parce qu'il y a une éco-psychologue, Johanna Macy, qui a, depuis 40 ans, elle fait ça, de l'éco-psychologie, pour les militants antinucléaires. Être militant antinucléaire, c'est hyper dur, c'est hyper violent. Depuis des dizaines d'années, ils se cassent, ils sont dans le burn-out, ils sont dans l'épuisement, etc. Et donc, elle a créé une sorte de méthodologie, des ateliers, pour pouvoir exprimer son désespoir. Et en fait, de l'exprimer, le partager, ça crée du lien. Tu vois, quand t'as un gars en face de toi qui te dit « Ouais, la transition, l'effondrement, je pense qu'il faut mettre des éoliennes, tant de mégawatts et tout. » T'as juste envie de le contredire et de dire « Non, il faut tant de mégawatts. » T'es dans la tête. Quand t'as une personne en face qui dit « Moi, j'ai des enfants, l'effondrement, et se met à pleurer, bah, t'as envie de la prendre dans tes bras. » Tu vois, c'est ça. Ça relie. Et il y a un truc à partager là-dedans. Donc, c'est une invitation au collectif. Et en fait, c'est même une obligation parce que ça fait du bien aux activistes qui en chient là, dans les manifs, dans les ZAD, dans tout ce qui défend la destruction de la vie. Là, on est vraiment dans l'urgence. Il faut aller défendre. Il y a des lieux, il y a des hotspots où il faut défendre la destruction, que ce soit les ZAD, je ne sais pas moi, manifester contre les mines de charbon en Allemagne. Il y a vraiment des luttes. Et je pense que les militants, les activistes, les luttes, elles gagnent à être ancrées, à faire ce trajet, cette transition, je ne sais pas comment on dit, intérieure. C'est vraiment ça, on gagne en puissance, en résilience, en interdépendance. Et du coup, ça amène naturellement, et à la fin du livre, je ne sais pas si tu l'as senti, un truc de qui démarre quelque chose de collectif, qui amène à la suite des travaux. J'espère que j'aurai la force et que ça ne sera pas l'effondrement avant qu'on publie la suite. Mais je veux dire, c'est maintenant la question, c'est un précurseur de la question politique.